Merci, monsieur le maire. C'est un ami intime de la ville de Fès. Il vient du pays des hommes intègres, le Hajj Sanou Salia, maire de la ville Bobo-Dioulasso du Burkina Faso, qui est lié à la ville de Fès par un accord de partenariat très dynamique depuis 2005. À vous la parole, monsieur le maire. Monsieur le Wali de la région de Fès, Boulomane, Monsieur le député maire de la ville de Fès, chers amis, Mesdames et Messieurs les représentants des villes jumelées de Fès, honorables invités, Mesdames et Messieurs, l'honneur me revient de prendre la parole ce jour 6 juin 2013 au nom de la délégation que je conduis pour dire merci à mon cher frère et ami Amir Chabat, député maire de la ville de Fès, pour son invitation. Merci pour l'attention particulière dont notre délégation a fait l'objet depuis notre arrivée en terre marocaine, ce qui est en cohérence avec l'hospitalité légendaire propre à nos cultures respectives. Merci pour cette belle initiative prise en vue d'organiser la première édition du forum Carrefour de Fès, qui est une excellente tribune de rencontres et d'échanges entre partenaires de la coopération et du jumelage. Monsieur le Wali de la région de Fès, Boulonman, Monsieur le député maire de la ville de Fès, Mesdames et Messieurs les représentants des villes jumelées de Fès, nos invités, Mesdames et Messieurs, l'importance de la coopération sud-sud n'est plus à démontrer de nos jours, car elle offre l'occasion aux collectivités partenaires de partager leurs expériences autour de certaines problématiques qui leur sont communes et de trouver ensemble des solutions qui concourent à l'amélioration des conditions de vie des populations. C'est pourquoi je me réjouis très sincèrement de la thématique de la présente édition qui porte sur le patrimoine au service du développement. Cette thématique est d'autant plus d'actualité qu'elle constitue aujourd'hui l'un des axes forts du programme de développement communal du conseil municipal de la commune de Bobo-Dioulasso. En effet, la problématique du patrimoine a été et continue de faire l'objet de multiples efforts et réflexions au niveau de la commune de Bobo-Dioulasso. L'enjeu pour le conseil municipal est de faire participer l'ensemble des acteurs à la définition et à la mise en œuvre d'une stratégie commune de préservation et de valorisation du patrimoine. La préoccupation principale demeure celle d'améliorer la qualité de vie de ses habitants sans compromettre les valeurs préexistantes, dans le respect de la sensibilité culturelle et historique et en renforçant la cohésion sociale et l'identité locale. La situation actuelle du vieux quartier de la Soba en est la parfaite illustration. Quartier situé en plein cœur de la ville et qui a su garder son charme historique. Monsieur le député maire de la ville de Fès, Mesdames et Messieurs les représentants des villes jumelées avec Fès, honorables invités, Mesdames et Messieurs, le transfert de connaissances et d'expériences nord-sud et sud-sud constitue un atout certain pour aboutir à un développement local durable. La commune de Bobo-Dioulasso et la ville de Fès voudraient désormais s'engager, avec l'appui et l'accompagnement des autres villes jumelées, dans un processus d'élaboration, de partage d'outils et de méthodologies opérationnelles et planification de gestion et de préservation du patrimoine. Notre souhait et que les conclusions des présentes rencontres puissent contribuer de façon générale à hisser très haut le flambeau de la coopération nord-sud et sud-sud et à favoriser la mise en œuvre de projets concrets au bénéfice de nos populations. C'est donc sur cette note d'espoir que je souhaiterais clore mon propos tout en adressant mes vifs et sincères remerciements à l'ensemble du comité d'organisation qui a su donner un cachet particulier à la présente rencontre. Que le Tout-Puissant accorde à tout un chacun la force, la santé et la paix et bénisse la charmante et agréable ville de Fès. Vive la coopération Maroc-Burkina Faso, vive la coopération Bobo-Dioulasso-Fès. Je vous remercie pour votre aimable attention.
Merci, monsieur le maire.